toutes et à tous, comment allez-vous les amis? Pour ma part, c'est la pleine forme encore une fois. On se retrouve aujourd'hui en vidéo parce que je suis revenu il y a déjà une semaine de Paris où j'ai pu découvrir la toute nouvelle tablette, c'est la Galaxy Tab S de chez Samsung. Je souhaitais vous en parler en vidéo, vous allez voir, j'ai pris quelques plans du produit, elle m'a vraiment beaucoup étonné. Pourquoi? Tout simplement déjà par sa finesse, son design. On a connu Samsung au départ pour être un peu plus à la traîne, on va dire, question design comparé à son plus gros concurrent Apple. Je possède un iPad mini, j'ai aussi une tablette de chez Nvidia, donc question tablette, je vais pouvoir me permettre de vous en parler un peu. Et là, j'ai vraiment pu aborder la Galaxy Tab S au Samsung Store à Paris, il y avait une petite soirée événementielle, et on a vraiment pu découvrir une tablette hyper design, très simple je trouvais. Vraiment, voilà, on a retrouvé un design très épuré comme on l'attendait. Et je dois vous dire qu'elle a vraiment plu au plus grand nombre d'entre nous. Elle va être très puissante, donc déjà niveau caractéristique, on va embarquer 3 Go de RAM, une très bonne autonomie. Il faut savoir tout d'abord qu'elle existe en 8,4 pouces et 10,5 pouces, donc deux modèles différents. Bien évidemment, on n'a pas la même batterie embarquée sur ces deux modèles. On va avoir donc la plus petite qui possède 4900 mAh en batterie et la plus grosse qui va en posséder 7900. On remarque tout de même qu'elle va, la plus grosse en tout cas, elle va pouvoir tenir un peu moins longtemps en utilisation internet, compter 9 heures, ce qui est déjà pour ma part énorme. Utilisation internet, c'est-à-dire tout ce qui est Facebook, réseaux sociaux et également bien sûr lecture vidéo. Pour ça, on va être un peu plus large. Concernant la tablette un peu plus petite à 8,4 pouces, elle va posséder environ 10 heures en utilisation internet. Donc voilà, on va vraiment avoir de très bonnes bases, de très bonnes caractéristiques. Comme j'ai pu vous le dire, 3 Go de RAM sont embarqués. Concernant le stockage à l'intérieur de cette tablette, on va avoir 16 Go de disponible. Et en plus de ça, et là je dois dire que beaucoup d'entreprises se mettent un peu au niveau, on va pouvoir insérer une carte micro SD, cette fois-ci de 128 Go. La capacité maximum embarquée sera de 128 Go. Et je dois dire que sur ce coup-là, ils font très fort. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce présent, sur pas mal de modèles, on était bridé à 64 Go. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui souhaitent l'utiliser comme stockage, comme média de stockage, on va dire, nos tablettes. Et pour celle-ci, ça va vraiment être le cas, donc on va avoir 16 Go d'embarqué et 128 Go de disponible en micro SD. On va passer au design et à mon avis, alors elle est vraiment très sympa, très légère également aussi, on va pouvoir l'embarquer de partout. Et le mieux pour moi, ça a été vraiment son design qui se démarquait et à la fois rester dans un thème très sobre et épuré. J'étais vraiment super accrochant au départ au style d'Apple. Pourquoi? Parce qu'ils réussissaient à nous mettre vraiment un design qui bluffait tout le monde. Et là pour moi, Samsung a réussi à faire la même chose. Ils nous ont mis une tablette qui est plus fine. Elle est plus fine que l'iPad mini et c'est pas des bêtises. J'ai pu prendre des photos. Pour ceux qui souhaitent voir les photos, c'est sur la page Facebook. Je vous invite donc à suivre le lien dans la description. Et j'étais voilà vraiment bluffé d'avoir pu connaître et enfin voir une tablette plus fine que l'iPad mini. On savait jusqu'à présent que c'était l'un des records hein, de tablettes où on pouvait vraiment pas avoir un modèle plus fin. Et là on rentre dans une catégorie beaucoup plus puissante que chez Apple, bien évidemment vous vous en doutez. Beaucoup plus large aussi d'esprit. Pour moi voilà, ce modèle de Galaxy Tab S va vraiment concurrencer direct le plus gros concurrent Apple et c'est vraiment, c'est pour ça que je souhaitais au départ vous faire la vidéo, pour vous parler de cette concurrence là qui existait entre voilà les fans d'Apple et les fans Samsung. Et ben là je suis désolé pour les fans d'Apple, même si j'adore cette marque là pour son design, je dois dire que question utilité et design, on va retrouver exactement la même chose en 10 fois mieux. Nous allons avoir deux couleurs disponibles pour ces deux tablettes de tailles différentes, le bronze titanium et le blanc neige. Vous allez voir que c'est vraiment des couleurs super agréables à regarder, en tout cas il n'y en a aucune qui personnellement m'a déplu. Vous pouvez le voir actuellement en direct avec les images qui peuvent défiler que j'ai pu prendre durant cette soirée là. Donc pour moi un très bon bilan. En plus de ça, lors de cette soirée on a pu aussi nous présenter une petite nouveauté, une exclusivité du côté de chez Samsung. Il y a une personne qui était donc de chez Canal+ et qui nous a parlé de cette nouvelle application. Enfin nouvelle non puisqu'elle existe déjà depuis un moment, mais on va dire que si vous achetez cette tablette là, vous avez également 3 mois de Canal Play offert. Donc qu'est-ce que Canal Play? C'est un programme qui va vous diffuser vos dessins animés, vos programmes TV en direct à la demande et vos films et séries surtout. Les programmes TV ça sera sur l'application Canal+ si vous avez l'abonnement, mais en tout cas avec le Canal Play nous avons les films, les séries et les dessins animés proposés à la demande en test gratuitement pendant 3 mois. Ils ont fait une petite opération comme ça avec Canal+, je trouve ça
vraiment très bien du côté de chez Samsung. Ça peut leur apporter, pourquoi pas, un petit plus pour vendre cette tablette. J'ai pu découvrir l'application et elle est vraiment super sympa aussi. Donc voilà, on a vraiment un bon package quand on l'achète. On va avoir également, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé d'Apple et de Samsung, mais on aura bien sûr de disponible la reconnaissance digitale également sur cette tablette là. Donc voilà, on va vraiment avoir deux belles tablettes qui vont pouvoir être enfin vraiment en concurrence. On va donc avoir du côté de chez Apple un iPad avec l'écran Retina et maintenant du côté de chez Samsung un écran Super AMOLED avec une résolution de 2560 x 1600, autrement dit une résolution de malade qui envoie le pâté. Je peux vous assurer qu'on a regardé des films en haute définition sur cette tablette là et ça valait vraiment le coup. Du côté de l'appareil photo, j'ai pu regarder, c'est pas non plus fameux, on tourne autour des 8 mégapixels si je me souviens bien sur cette tablette là et 2,2 mégapixels en face avant. Je vous mettrai de toute façon dans la description les liens pour que vous puissiez aller voir le communiqué de presse. On a donc pu passer un très bon moment, c'est pour ça que je souhaitais vous le faire partager en vidéo. J'espère que cette petite présentation et découverte vous aura plu. Je sais que je m'étends pas beaucoup sur toutes les caractéristiques, mais tout est disponible dans la description. Mon but n'est pas de vous saouler et vous submerger de caractéristiques en vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je présente toujours un peu de façon, on va dire, novice les produits pour vous intéresser au maximum. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.